Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur l'épisode d'intermission de Final Fantasy VII Remake. On est toujours avec Yuffie et on est à la poursuite du membre d'Avalanche qui a échappé à des gardiens, enfin à des soldats. Qui nous a demandé de le rejoindre au pilier. Là pour l'instant on continue d'avancer. Hop, je vais aller récupérer la matériel qu'il y avait au centre. Sachez qu'il a fallu que je refasse toute la section là qu'on vient de faire. On a fait lors du dernier épisode plutôt. La section dans ce passage là. Parce que le point de sauvegarde était avant et que ma PlayStation s'est coupée entre les deux épisodes. Voilà, donc c'est pas très grave en soi, mais c'est pour vous dire qu'on n'a pas tout à fait les mêmes stats, tout à fait les mêmes choses. Du coup, qu'à la fin de l'épisode précédent. Allez, on est à l'usine de traitement des déchets. Jeff, sois vraiment discrète cette fois. Évitons les combats quand on le peut. C'est bon, ça va, je sais. Tout doucement, à pas de loup, je marche sur des œufs. D'accord. Qu'il y a une souris. Voilà. C'était sûr. Je rigolais pour les œufs. Oh, maître. Pas question. Ah oui. Oui, aïe, d'accord. Ah zut! Bon attendez, on va recommencer ce combat. Je pense que ça vaut mieux. Allez! Chef, sois vraiment discrète cette fois. Évitons les combats quand on peut. C'est bon, ça va, je sais. Tout doucement. Mais est-ce que je peux éviter la... Non, je peux pas éviter elle, donc voilà. Si, hop là, je peux passer la scène, pardon. Voilà, hop. Wow, mais comment il m'a... Ah non, c'est pas du jeu ça. Aïe, 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 ouais mais... Bah si, t'en avais besoin. Thank you.
Il va remourir, lui, mais bon. Oh, il a pris un soin, très bien. Mince. Voilà. La transcendance. Allez, qui a fait du bien. On y est presque. Haut les cœurs. Et on est reparti. Allez, on continue d'avancer. Ça embête qu'il soit dans le rouge. Voilà. J'ai plus beaucoup de PM moi du coup. Faudrait trouver peut-être un siège éventuellement pour pouvoir se reposer. Un message. Avec le brassier démoniaque. Les brassiers démoniaques, c'est moi qui l'ai. Donc ça attaque. Ok, on continue d'avancer sur le plateau suivant, on démarre le convoyeur, c'est parti. Le convoyeur passe par une zone d'entrepôt remplie de caisses de différentes tailles. Détruisez le plus de caisses possible avec votre shuriken pour priver la Shinra de son précieux matériel. Ok. Surtout, on va récupérer plein de choses. Voilà, tout s'est cassé. Mince, deux fois je tape sur le... Même s'il m'en reste là aussi. Un turbo éther. Trois queues de phénix, cool. Yes, bon, on a pas mal de choses, nickel.
On a récupéré pas mal de code phoenix et tout. Cool ça. Je regarde un peu ce que j'ai comme objet. Des turbo éther, je vais pouvoir en... enfin, je vais prendre une éther, on va dire. Regarde, il est énorme ce bâtiment. Ça doit être le site de maintenance dont il parlait. Magie augmentée, ok. Je sais combien de points en fait je peux améliorer mes armes. Moi. 16 points pour Yuffie. Du coup j'ai débloqué le deuxième slot sur celle-là. On va prendre les attaques physiques. Taka et c'est 12 qu'il faut, donc j'ai pas les PA pour ce nom. Matériel à foudre et un repos. Finalement, j'aurais pas dû utiliser mon éther. Voilà, j'ai pris tout ce qui était pas cher. Maintenant, tu vas nous donner le nom de ce sale traître. D'accord. Je crois que c'était... Heidegger. Fais pas le malin. Je te laisse encore une chance. Bon, d'accord, je vais vous le dire. Refuge Shinra. Ah, tu veux jouer. Je crois que c'était Ojo, en fait. Eh ben... Il a un sacré sang-froid, CJ. Prête à y aller, chef? Évidemment. Je vais attirer leur attention. T'auras qu'à libérer CJ. Une diversion, hein? Bonne idée. Mais je suis plus douée que toi pour me faire remarquer. Stop! C'est les rats de la Shinra! Elle est où? T'es qui, toi? Que vous me poseriez la question.
Ah, du coup, elle a pris son costume. On est dans FF7. C'est qu'une gamine. Laissons tomber. Ouais. Qui tu traites de gamine, toi? C'était peut-être pas la peine d'en faire autant, tu sais. Vous êtes qui, tous les deux? Des espions? On a des intrus. Envoyez des renforts. Alors, un boss. Non, ils ont des sales goûts. Points de vie, d'accord. Une grande résistance à glace, tout ça. Pas de. Il est immunisé à beaucoup de choses. Il n'y a pas de faiblesse. Ok. On va se centrer d'abord sur la queue. C'est pour me soigner, moi. Même pas mal. Chef. Dans le mille. Allez. Yeah. Ah, y'a un truc qui est sorti. Un drone. Qu'est-ce qu'il veut faire? Hein? Les drones aussi? Encore des missiles. Non, mais comment tu veux esquiver ça? En évitant le laser qui tire. Ah mince. J'ai pas fait gaffe. T'as l'intention de me laisser faire tout le boulot? Il se décide enfin à descendre. Il y a un point faible.
merci pour le soin. Allez. Nice. Ok, troisième phase. Bon, on a eu tous les goûts des tournes, mais il reste ça. Qu'est-ce que tu dis de ça? Il en reste plus qu'un même. Yes. Et voilà. Les Shinobi ne plaisantent pas. Merci. J'ai chaud. C'était un jeu d'enfant. J'ai quelque chose pour vous. Tenez.
Ce sont des cartes d'employés magnétiques qui donnent accès à la tour Shinra. Grâce à ces cartes, vous pourrez aller au sous-sol. Vous y trouverez les labos du département de l'armement, y compris la section de recherche sur les matérias. S'ils ont bel et bien une matériale ultime, elle est sûrement là-bas. Compris. Bon, perdons pas de temps. Il paraît que la Shinra est sur le point de lancer une grosse opération. Elle prévoirait même de détruire complètement le secteur 7. Si vous voulez pas vous retrouver pris dans tout ça, mieux vaut vous dépêcher. Ok. Moi, je rentre prévenir les autres. Vous y arriverez. On se reverra. Ouais. Ce sera ma tournée cette fois. Je te montrerai comment on trinque au Wutai. J'ai hâte. Hein? Oh. Ah! Préviens aussi la faction! À propos du secteur 7! Ça marche! Allez, Yuffie. On n'a aucune raison de traîner ici. On va à la gare dès que t'es prête. Ok! Ok, il y a peut-être plus de choses à trouver dans cette zone que ce que j'ai trouvé, mais c'est quoi cet attroupement ? Il paraît que c'était le repère de ces saletés de terroristes. Ils étaient cachés sous nos yeux. Apparemment, ils avaient quitté les lieux quand les gardes sont arrivés. Ils n'ont pas perdu de temps pour s'enfuir, ces lâches. On ferait mieux de ne pas trop traîner par là. On n'a qu'à aller à la gare. Ouais. Ok. On peut aller à la tour Shinra. On s'en fera peut-être ça plus tard. Je vais retenter Ramu une fois là. Maintenant qu'on est deux, tout ça, qu'on a gagné un petit peu. Attends, je vais juste m'équiper un max avant. Améliorer mes armes au maximum. Je peux refaire. Il faut qu'il y a pris un niveau, donc je peux lui redonner une capacité en plus. On va retenter une fois Ramu, voir si ça passe maintenant ou si je me fais toujours démonter. Vous sentez-vous prête à affronter un espère virtuel? Allez, on la tente. Déjà, on sera deux. Allez. C'est pas possible.
Ah purée, il est décédé. Mince, il a pas pu faire attention ça. Je commençais par me soigner moi. Victoire, yes! Formidable! Grâce à l'analyse des données de votre combat, j'ai réussi à synthétiser une materia d'invocation. Vous êtes, si j'ose dire, plus rapide que l'éclair, Yuffie. Avec l'aide de Ramu, le seigneur de la foudre, vous deviendrez une véritable tempête. Ok, nickel, on a gagné du coup la... la materia pour Ramu. Est-ce que c'est une materia à mettre? Je m'en rappelle plus si c'est une materia ou si c'est automatique. Non, a priori c'est automatique. D'accord. Et on a gagné 20 points de compétences. Donc on va pouvoir réaméliorer. Non, c'était pas pour ça. C'était pas là. Ok. Tant pis. Bref. Voilà, ça c'est cool. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur FF7, épisode d'intermission, vous aura plu. On se retrouve prochainement pour la suite de l'aventure. On ira à la gare et faire la suite de l'histoire. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.